Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi Sapma pour la Kaye. Jeudi, c'est 19 juin. Et on dit qu'il y a un pile monde qui poko un but de jou ça. C'est que c'est l'année dernière, officiellement, Biden a déclaré, eh bien, June, en fait, il y aurait le June 10th, qui c'est 19 juin, qui vient en Federal Holidays. Je ne sais pas si tu es là, est-ce que tu travailles là, baoul off. Donc, on dit, année ça, c'est pour la première fois que nous pral célébrer 19 juin comme un Federal Holidays. Nous voulons rappeler que 19 juin a une bonne importance parce que malgré tout sort, c'est vrai que dit c'est 4 juillet, vous parlez de l'indépendance des États-Unis. Mais pour la communauté noire, le jour qui marque officiellement la fin de l'esclavage, avec le jour de la liberté pour la communauté noire, là, c'est 19 juin. 19 juin, particulièrement 1865, jour que l'armée de l'Union sous la direction du major général Gordon, ok, et met Sandarele ordre numéro 3 qui proclamait que l'esclavage des Africains américains yo libre, c'est fini, yo free. Et moun nan te exasté informé de ça en accord avec proclamation par un exécutif au niveau de l'université côté que dit tout esclave free. Donc pour comprendre, il gagne une grande importance et nous bien dire l'année dernière Biden t'a déclaré le comme un Federal Holiday, ça veut dire que 19 juin c'est un Federal Holiday, il tombé un jour dimanche, certes. Qu'est-ce qui a passé? C'est que quand on dit comme c'est première fois et après chaque côté réagit aux gens, mais reste que au niveau de l'État, faut clair, bureau fédéral yo, étant donné qu'il tombe jeudi à 19, tout bureau fédéral yo normalement yo pas ouvri demain si Dieu veut lundi. Donc peut-être ou pas de compte ça ou même c'est que et ça veut dire presque toute banque yo tout a fermé. Livre de dit postal service et a fermé. OK? Maintenant gagner d'esté yo gen, en fait qui choisit pour yo même de préférence yo t'ai déjà gagné, comprenez bien, gagner d'esté avant que le fédéral gagne quelques states qui t'ai toujours confété et yo même gagner d'esté qui toujours dit c'est soit c'est troisième et vendredi dans mois de juin comme hein, ça ou t'ai fait le qui vient que gagner d'esté qui fête li de préférence et hier vendredi. OK, qui vient faire que gain quelques states et qui normalement a fonctionné lundi, vraiment enfin, clair nous dit au niveau de state, mais fédéral là tout office fédéral yo y a fermé lundi. OK? C'est comme ça que lié maintenant et compagnie yo qui ça qu'a passé gagné comme statistique gagné 30% de compagnies privées et qui off pour lundi et livre dit qui ça tout livre dit que on compagnie qui travaille mais elle t'a supposé payer li et ça le dit l'état j'en compte fait pour tout le dit leur travail. Yo ba oul double, donc compagnon t'a supposé respecter ça. Ça veut dire. Et nous pensons que c'est important justement pour nous éclaircir ce sujet ça, puisque nous adressons nous à un public justement et communauté qui c'est noir. Donc nous t'avons comprendre que c'est effectivement c'est un jour vraiment important pour nous autres et que nous t'a supposé et valoriser li à sa juste de valeur et pourquoi pas et informer timoun yo ça le représenter parce que pral ouais et puis faut moun bay plus importance à simplement 4 juillet alors que nous pensons et 19 juillet li tout autant li tout aussi important nous pas minimiser 4 juillet puisque 4 juillet c'est ça n'était capable reler liberté des États-Unis par rapport à une dépendance qu'elle te gagné au niveau de l'Angleterre, puisque
et li te yon colonie de l'Angleterre. Li gen toute importance li en tant que tel, en tant que nation. Certes, mais Nevers de l'Est pour communauté noire là, nous pensons que et 19 juin qui marque officiellement date côté que yon te dit tout esclave libre. Donc li gen yon importance et assez important. Pas oublier que Juneteenth yo considéré comme effectivement un Independence Day. S'il est vrai que 4 juin son Independence Day, hier 19 juin c'est un Independence Day lié. Parce que parents yo est supposé faire et noir yo connaît que c'est un Independence Day que lié et pour yo même. Maintenant qui genre c'est un jour, c'est un Federal Holidays. Et j'ai un célébré l'important. Ça t'a voulu dire, par exemple, t'es bien, gros discussion sous façon certaines compagnies, t'es juste voulu utiliser pour faire comme. Et par exemple, yon explique yon nan ba yon te courir de Walmart, li pon yon ice cream, et puis le Juneteenth pour faire moun faire vendre. Est-ce que vous comprenez? Là, li pon ice cream, li le Juneteenth ice cream. Bien sérieux. OK? Dire le jour tu ice cream comme en fait grand pile monde qui te dit non c'est pas ça. C'est pas ça l'idée. OK? De préférence et pas faire l'argent simplement. Il y a besoin de support mais de support de bonne foi. Par exemple, gagner des entrepreneurs, des vendeurs qui te réunis justement et à l'occasion de jour titre là. Et yo te vle célébrer li pour expliquer bua c'est justement valoriser communauté noire là en tant que telle et donc c'est pas nécessairement vinn fè kòb donc yo ta vle moun yo comprendre pour yo fête fête là à sa juste valeur. OK, dans sens ça c'est justement mettre les noirs à l'honneur qui t'est libéré, c'est dans ce sens ça. Mais diwan il fait et jeune et ice cream jeune titre parce que il y a un bala trop simple. Et donc en plus le monde demandé pour que y ait des changements dans façon et compagnie ou justement vle et justement honorer et date ça. Mais vendu tout causé jeune titre là c'est une bataille. Il y a une bagarre qui bataille pour mettre la l'honneur c'est nan mitan nous songe gros débat et sous injustice raciale qui t'est gagné après la mort George Floyd et justement t'es gagné pile débat sous ça et à ce moment là Dieu était gagné près de et il y a certaines compagnies privées qui déjà t'ont commencé à offrir je ne titre comme un paid holiday. On a parlé de 2020. OK, et fondu que année ça yo parlé de yo parlé de 30% qui est payé comme on paid holiday ce moment là et donc et Jean Julia li tombé normalement un jour dimanche et donc yo justement pif, en fait l'état a choisi lundi pour yo marquer jour ça. Donc voilà, nous pensons que c'était important pour nous te parler de Juneteenth qui c'est 19 juin, qui c'est une date pour comprendre qui est important dans l'histoire ou dans la vie ou en tant que noir par bon ici aux États-Unis. Il y a pile grosse entreprise qui ferme tant que Nike qui ferme toute store li et mais elle ferme pour dimanche bien entendu. Et banque nous pas oublier, nous oublier que stock market là tout a fermé. OK, stock market là a fermé lundi. Et donc voilà, très certainement capable de gagner même genre toute fait des deals qui cap fait dans zone dans là dans période ça. Et donc en plus le monde vient familiariser et avec fait ça que des têtes toujours à célébrer game. On d'accord qu'il y a des states qui étaient toujours ballot en importance mais qui pote ko et vini ça n'a relé et yon federal holiday. Et
Donc voilà, nous te voulons justement et parler en gros de date ça et de manière que pour nous autres, on soit capable et célébrer à juste valeur. Et il y a des propositions sous Jean, monde à célébrer et fait ça. Et tant qu'on parle de apprendre l'histoire à nous, en introspection, poser des questions. Et pour qui ça, il y a des séries de monde qui étaient en esclave en 1835. OK? Et scholarship peut-être pour bail tout collège noir, université noire, yo, comprendre valoriser yo et pousser compagnie yo to make sure que yo bail joue sa plus importance li. Donc c'est des propositions de ce genre. Donc voilà guys, nous t'es justement pour te détailler ça pour même, c'était un plaisir.